numéro de l'Isolo IA Politique sur DRC Info TV qui reçoit pour vous Candide Okeke, femme résistante. Il sera justement question du mois de mars consacré aux droits de la femme au niveau international. On célèbre la femme durant ces mois de mars. Nous parlerons également du voyage du président français Emmanuel Macron en République démocratique du Congo. Évidemment, Macron a séjourné en RDC. Quelles leçons politiques tirées de ces voyages? Et puis troisièmement, nous parlerons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais aussi du processus électoral en République démocratique du Congo. Alors, comme je l'ai dit à l'amorce de cette émission, nous recevons pour vous Candide Okeke. Candide Okeke est justement militante activiste en France. Elle a été la première à organiser des manifestations contre Joseph Kabila Kabange de 2005 avec l'association Toponi Congo, dont elle a été la présidente et la cofondatrice. Cette association a été créée avant la PARECO et bien avant le mouvement de combattants qui sont beaucoup plus apparus vers 2010 pratiquement. Et il faudra peut-être noter que contrairement au mouvement de combattants, Toponi Congo se définissait déjà comme un mouvement de résistants congolais. Candide Okeke a été ou est ensuite collaboratrice de Monsieur Honoré Ngbandanzamboko Atumba durant plus de 15 ans, et vice-présidente de la PARECO et rédactrice de L'Œil du Patriote, devenue la voix du Patriote après le décès de Honoré Ngbanda. Candide Okeke a été désignée présidente nationale de la PARECO, mais elle est surtout aujourd'hui responsable du pilotage stratégique du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, et responsable du groupe RC, ou encore entendez, Résistance Congolaise. Voilà, c'est un site internet. Voilà ce que nous pouvons retenir de Madame Candide Okeke que nous recevons aujourd'hui. Madame Candide, bonjour. Bonsoir, Monsieur Kalonji. Bonsoir à toute votre équipe et à tous les téléspectateurs qui prendront un peu de leur temps pour nous suivre aujourd'hui. Merci encore pour l'invitation. Voilà, nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Que vous inspire justement cette journée, le 8 mars? C'est vrai, on en parle ici en République démocratique du Congo, mais aussi dans le monde. Mais que vous inspire justement cette journée de 8 mars? Quelles peuvent être les revendications de la femme congolaise dans ces domaines? Et on peut ajouter peut-être une question, est-ce qu'il y a eu des avancées depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir en ce qui concerne la promotion des droits de la femme? Concernant cette journée internationale des droits de la femme, je pense que les femmes congolaises ont vraiment de quoi ne pas être satisfaites, cela va de soi. Dans notre pays, comme vous savez, malheureusement, nous gardons toujours cette étiquette de capitale mondiale du viol. Et ne fût-ce qu'à ce titre, vous voyez bien que les femmes congolaises ont de quoi ne pas être spécialement satisfaites aujourd'hui. Nous avons connu beaucoup de morts et le compteur continue à tourner puisque aux 12 millions ou je ne sais combien de morts que nous avons, aujourd'hui nous continuons chaque jour à ramasser nos cadavres en quelque sorte. La guerre perdure à l'Est, mais il n'y a pas qu'à l'Est que nous subissons une déstabilisation. On a vu dernièrement des morts à Maluku, des morts dans le Bandundu, des morts dans le Bas-Congo, etc. On commence quand même à bien se rendre compte que l'insécurité se généralise, y compris là où vous êtes à Kinshasa. Et forcément, par rapport à ça, la femme congolaise voit son droit à la vie, le droit à la vie pour ses enfants, le droit à la vie pour les siens, puisqu'il ne s'agit pas que des femmes ou des enfants, et tout le monde, tous les Congolais sont quand même menacés aujourd'hui. Ce droit à la vie n'est pas respecté en République démocratique du Congo, donc la femme congolaise a largement de quoi ne pas être satisfaite. Et en plus de cela, justice n'a toujours pas été rendue. Comme vous le savez très bien, le gouvernement actuel, qui est un gouvernement d'occupation, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui est là pour couvrir
comment dire, les actes criminels des occupants, ce gouvernement-là ne rend toujours pas justice aux Congolais ou aux Congolaises. En l'occurrence, vous avez pu voir, je prends un exemple comme celui-là, concernant le dossier de Floribert Chebeya, hein, qui est un grand défenseur des droits de l'homme, qui a été assassiné, et jusqu'aujourd'hui, les criminels qui l'ont arraché à la vie, les commanditaires, etc., ils sont là. Hein, je parle notamment de Joseph Kabila, celui qui se fait appeler Joseph Kabila. Ils sont là, ils continuent à évoluer en toute impunité. Hein, et il n'y a pas que ça, par rapport au détournement d'argent, voilà, tous les criminels en République démocratique du Congo aujourd'hui, tout ce à quoi ils ont droit, c'est plus souvent une prime au crime plutôt que de se retrouver derrière les barreaux. Par contre, nos enfants qui sont, oui, puisque ce sont il y a des délinquants, oui, mais des gens qui commettent des crimes finalement qui sont peut-être moindres même par rapport à ceux-là, eux, on s'empresse de les mettre en prison pendant que les grands délinquants, hein, les Koulouna en cravate, eux, continuent à évoluer librement. Donc la femme congolaise a largement de quoi être mécontente. Et il n'y a pas que ça au niveau de la sécurité, au niveau de la justice. Il y a aussi le panier de la ménagère, comme on dit souvent. Comment nourrir ses enfants dans les conditions actuelles? Vous avez vu vous-même, avec malgré toutes les promesses qu'on fait aux Congolais, les prix ne cessent d'augmenter. Les femmes ont de plus en plus de mal à nouer les deux bouts du mois. Et voilà, on retrouve des femmes qui se retrouvent dans la prostitution, des femmes qui sont obligées de vendre leur corps pour pouvoir nourrir leur famille, des jeunes filles aussi. Donc c'est quand même absolument la situation dans laquelle se retrouve aujourd'hui la République démocratique du Congo n'a vraiment pas de quoi satisfaire les femmes. Il y a aussi le problème de l'éducation, hein, la scolarité en elle-même aujourd'hui. Donc la situation est telle. Hein, nous restons un des pays les plus pauvres au monde alors que nous avons le potentiel, un des potentiels les plus importants au monde, ce qui est absolument inacceptable. Donc la femme congolaise aujourd'hui, elle a absolument de quoi être mécontente. Et voilà, en cette journée des droits de la femme, nous avions recommandé déjà au moins depuis l'année dernière que nous prenions l'habitude de nous habiller en noir plutôt que d'avoir une journée festive, parce que jusqu'à présent, nous continuons à ramasser des morts dans ce pays. Ce n'est pas normal. Nous devons le manifester d'une manière ou d'une autre pour que le monde, d'une manière ou d'une autre, sache qu'en République démocratique du Congo, aujourd'hui, chaque seconde qui passe, chaque minute qui passe, les gens continuent à mourir de manière inacceptable et que c'est en réalité un véritable génocide qui se passe ici. Mais voilà, donc la femme congolaise, aujourd'hui, elle est pour la journée de la femme. Elle a le cœur rempli de tristesse, le cœur rempli d'amertume, le cœur rempli de colère. Et voilà, donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette journée de la femme. Ça reste néanmoins, quand on regarde le contexte actuel, on a quand même un peu d'espoir finalement, parce qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire au sein de notre population. Et on pense, enfin, ce qui me concerne en tout cas et d'autres, que nous sommes en train d'aller vers la fin de tout ceci. Parce qu'il y a une fin à toute chose. Et ce que le Congo a traversé aujourd'hui, avec cet éveil qu'il y a, la femme congolaise a de quoi commencer à espérer que nous allons enfin commencer à tourner la page. Mais je pense qu'on reviendra sur tous ces points-là dans le reste de notre entretien. Voilà, j'ajoute peut-être cette sous-question. Quand on observe votre parcours, on se rend compte que vous avez depuis longtemps pris l'habitude, je l'ai dit à l'introduction, d'être une femme au milieu des hommes et en plus bien souvent à des postes de responsabilité. Alors, diriez-vous que c'est plus difficile pour une femme que d'être au milieu des hommes et assumer même des responsabilités? Merci pour la question. C'est vrai que, surtout quand on regarde ces dernières années, j'ai pu effectivement évoluer comme ça avec beaucoup d'hommes autour de moi, dans le travail, dans l'activisme. Et comme vous l'avez rappelé, avec parfois, et même un peu souvent, des postes à responsabilité. Mais c'est vrai que je ne me laisse pas tellement impressionner par ça, parce que moi, je ne réfléchis pas en termes d'homme ou de femme, je réfléchis, en tout cas dans le cadre du travail, je réfléchis en termes de collaborateurs, collaboratrices, de chefs hiérarchiques, et chacun avec son cahier de charge, chacun avec son rôle, et puis selon chacun avec ses potentiels aussi. Et voilà, je m'arrête à ça puisque je sais pourquoi je suis là. Quand je suis là pour le travail, c'est pour le travail. Et c'est vrai que oui, il peut y avoir des fois des relations un peu tendues, mais bon, je me laisse vraiment pas impressionner par ça.
Mais je pense que ça vient aussi du fait de mon éducation, puisque moi j'ai grandi, enfin j'ai mon père a toujours été quelqu'un qui laissait quand même pas mal d'espace à la discussion depuis que j'étais toute petite, et j'ai grandi avec ça. Donc voilà, je me laisse pas spécialement impressionner en face, parce qu'en face de moi j'ai un homme, oh, non, vraiment pas. Et en plus là, les dernières années que j'ai passées à côté de quelqu'un comme Monsieur Noreen Banda, qui c'est vrai avant, enfin quand je l'ai connu, j'étais quand même assez impressionnée, mais au fur et à mesure il a su me mettre assez à l'aise. Il respectait mes idées et voilà, c'était quelqu'un qui arrivait, avec qui j'arrivais vraiment à avoir des discussions et tout. Donc tout ça, ça forme un tout. Et voilà, moi je considère que les hommes et les femmes, ben écoutez, on forme un corps. Chacun peut apporter ce qu'il peut selon ce que Dieu a mis comme don en chacun de nous, selon la mission qu'il nous donne. Et donc par rapport à ça, ben, je pense qu'on peut s'apporter beaucoup de choses les uns les autres. Et pour le reste, bon voilà, je m'en accommode et puis tant qu'il s'agit de me battre pour mes idées, moi je ne me laisse pas impressionner. Voilà. Alors, parlons autre chose, justement, du voyage d'Emmanuel Macron, président de la France, ici en République démocratique du Congo. Actualité oblige, on continue à en parler, mais ces voyages de Macron, est-ce que vous étiez satisfaite, justement, de ces voyages de Macron en RDC? Et peut-être j'ajoute rapidement, on a noté aussi la présence de l'artiste congolais Fally Ipupa à la conférence de presse d'Emmanuel Macron à Paris, puis à ses côtés à Kinshasa, parce que Macron a visité la commune de Bandalungwa ici à Kinshasa et peut-être d'autres quartiers aussi. Et qu'est-ce que cela a provoqué, mais ou encore est-ce que cela a provoqué des réactions diverses? Quel est votre point de vue par rapport à ça? Monsieur Kalondji, avant de répondre même à cette question concernant Kagame, est-ce qu'il veut réellement en République démocratique du Congo, etc., je voudrais juste apporter encore une précision concernant Fally et ce qui s'est passé par rapport au voyage de Monsieur Macron en République démocratique du Congo. Avant qu'il parte, ce que je voudrais donner comme élément aux téléspectateurs qui vont nous suivre, Fally a pu avoir un entretien avec Emmanuel Macron. Et mais des éléments que j'ai pu avoir, oui, quand on les a vus à Kinshasa, par exemple, dans le concert privé qu'il y a eu là-bas où Fally a chanté, et pendant lequel il a pu donner un message en disant qu'il se réjouissait de l'aide humanitaire que la France et puis l'Union européenne allaient débloquer pour la République démocratique du Congo, avec le pont aérien qui a été mis en place, et les à peu près 80 millions de dollars. D'euros qui ont été débloqués pour aider la ville de Goma particulièrement. Oui, quand on l'entend comme ça, on se dit, voilà, il était là, effectivement, à côté d'Emmanuel Macron, enfin, ces contacts-là, il a pu les utiliser peut-être pour faire avancer la cause de la République démocratique du Congo. Mais sachez qu'en réalité, des éléments que j'ai pu avoir, il cherche surtout à obtenir de la France qu'on lui accorde de jouer au Stade de France. C'était ça sa préoccupation. Personnellement, j'ai été assez écœuré parce que, en le voyant au concert là, privé à Kinshasa, j'ai vraiment cru que finalement il était vraiment là pour ça. Mais non, en réalité, les entretiens qu'il a pu avoir ici en France, c'était plus pour demander à jouer au Stade de France. Donc, Fally Ipupa, lui, le combat que nous menons ici, les résistants, les combattants, etc., pour un peu mettre une parenthèse par rapport à tout ça, il semble pas avoir compris et il semble continuer à s'entêter par rapport à ça. Et il lui a été rappelé que la dernière fois, quand il a eu à jouer à Bercy avec l'aide du Rwanda, une fois de plus, ça a coûté plus d'1 million de dollars à la République démocratique, pardon, à la France, et ce n'est pas le Rwanda qui a payé. C'est la France qui a payé, donc le contribuable français. Et pour l'instant, il y a eu beaucoup de réserves de la part de l'Élysée par rapport à ce projet-là, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de se retrouver encore confrontés dans les joutes entre Congolais, entre les résistants et puis ben, les collabos hein, qui veulent absolument venir distraire les gens ici. Donc voilà, je tenais à dire ça aux Congolais pour savoir, pour dire que voilà, nous avons une classe politique, nous avons une élite donc qui va falloir scruter à la loupe. Parce que ces gens viennent sous couvert de soi-disant, comment dire, de bienveillance ou d'attention, etc., par rapport à la cause congolaise, par rapport aux souffrances congolaises, ils ne sont obnubilés que par leurs propres intérêts. Et là, c'était encore une illustration, et je tenais absolument à apporter cette précision à nos téléspectateurs qui pourront nous suivre pour voilà, voir un peu les éléments peut-être que certains n'avaient pas.
Alors, toujours sur cette question, comment répondez-vous au président français qui décline la responsabilité de la France justement sur la déstabilisation de la République démocratique du Congo? Le président Macron pense que nous avons été incapables justement de protéger la souveraineté de la République démocratique du Congo. Quelle est votre réaction? Concernant le voyage d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, je pense qu'il faut commencer par se demander d'abord, en tout cas à peu près, quels étaient ses propres objectifs. Parce qu'en fait, le problème qui est là, c'est que, avec tous les éléments que j'ai pu rassembler autour de tout ça, on peut se demander s'il est venu en République démocratique du Congo comme chef de l'État français qui était là pour défendre réellement les intérêts français, ou s'il est venu comme un émissaire du Rwanda de Paul Kagame. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il a trop axé ce qu'il a pu faire. Son voyage a été peut-être un peu trop organisé autour de ce qu'il pouvait faire pour le Rwanda plutôt que pour la France. Je m'explique. Concernant la France, ben écoutez, on sait que la France est présentée comme le pays des droits de l'homme. Alors imaginez, nous sommes au mois de la femme et le chef d'État qui représente un pays qui se dit le pays des droits de l'homme arrive dans la capitale du viol au mois de la femme. Je ne sais pas, n'importe quel communicateur trouverait quand même que c'était une meilleure carte, entre guillemets, à jouer, plutôt que d'aller donner l'image qu'on a pu voir, parce que c'est finalement ce qui reste déjà, a priori, bah, du chef de l'État dans un Nganda, à Bandal, en train de. Voilà, l'image de festive avec en compagnie. Enfin, alors que nous sommes un pays en guerre, c'est juste hallucinant. Vraiment hallucinant. C'est impensable dans des pays sérieux. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a pris l'avion, il est arrivé là-bas, il réfléchit. Franchement, personnellement, vraiment, j'ai été. Voilà, je suis un peu horrifié par ce que j'ai vu, quoi. Et maintenant, oui, il avait peur, apparemment, avec ses équipes, ils avaient peur de l'hostilité des Congolais et tout. Mais le pape François est venu quelques semaines avant. Lui aussi, il avait une certaine hostilité, pratiquement des mêmes Congolais d'ailleurs, à son égard. Mais ils ont agi avec plus de sagesse. Vous allez chez des gens qui souffrent, vous allez chez des gens cette hostilité vient de quoi? Ça vient de la souffrance des Congolais, de ce manque de compassion, de ce manque d'attention, ou enfin voilà, qu'ils sont en train d'attendre de certains pays, et notamment des pays, enfin, je veux dire, la France, c'est quand même un pays qui siège au niveau du Conseil de sécurité, etc. Il y a quand même des choses que la France pourrait faire un peu plus pour la RDC en tant que premier pays enfin, le plus grand pays francophone au monde, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses pour lesquelles le peuple congolais était un peu en attente par rapport à la France. Et venir donner cette image-là, franchement, je trouvais ça assez désastreux. Et je dis, c'est oui, peut-être sur le coup, il a eu l'impression d'avoir rattrapé l'image des tags sur l'ambassade de France, etc. Mais il faut voir le résultat à long terme. À long terme, je pense que ça va s'avérer beaucoup plus compliqué encore pour la France en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il y a des gens qui prennent conscience, ils disent, mais attendez, voilà, c'est la capitale mondiale du viol, comme je le dis. On était à quelques jours de la journée de la femme. Il y avait quand même autre chose à faire que d'aller donner une telle image. Et en plus, à côté de ça, il y a la scène à laquelle on a pu assister pendant la conférence de presse. Je vais faire court. Il est arrivé, il a dit des choses qui étaient, oui, assez intéressantes. En gros, il nous a dit qu'il nous avait compris. Hein, un peu comme le général de Gaulle à l'époque, il vous a compris, mais en même temps, il vous dit que, ben voilà, ça s'arrête là, quoi. Il n'y a pas de sanctions contre le Rwanda, il n'y a pas de justice pour la République démocratique du Congo, le rapport mapping, on n'en parle toujours pas, etc. Et en plus, à côté de ça, la cerise, entre guillemets, sur le gâteau, c'est. La seule personne que j'ai envie de féliciter par rapport à cette conférence de presse, c'est la journaliste qui a posé la bonne question, et puis d'autres aussi qui ont posé des bonnes questions, mais celle-là en particulier, parce que ça a été vraiment utile pour la population, les gens qui regardaient. Parce que qu'est-ce qu'on a appris? C'est que Félix Tshisekedi a triché et que la France a couvert la triche. C'est ça qu'on a appris. Parce que Félix Tshisekedi, quand il s'énerve un peu, qu'il s'emporte un peu par rapport à la France, c'était qu'est-ce qu'il est en train de dire tout simplement, mais taisez-vous quand je triche. Et lui, il lui a répondu quoi? Ben écoutez, heureusement qu'on t'a couvert. Franchement, c'était
Voilà, c'est assez aberrant, c'est assez hallucinant ce à quoi on a assisté. Mais voilà, chacun appréciera. Mais pour les gens qui sont dans la communication, par rapport aux retombées politiques, etc., c'était quand même, pour l'image de la France, je pense que ça a plus dégradé la France, l'image de la France qu'autre chose. Je fais plutôt partie des gens qui pensent ça. Et à côté de ça, bon, c'est vrai, il avait le côté un peu sympathique, parce qu'il discute, et ça, c'est vrai que ça peut être pas mal, mais ça dépend pour dire quoi aussi, hein. Donc voilà. Bon, écoutez, donc le voyage de M. Macron en République démocratique du Congo, moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'il n'est pas venu là pour aider les Congolais ou quoi que ce soit. Je me demande même s'il a vraiment défendu les intérêts de la France suffisamment. Par contre, il a essayé de défendre les intérêts du Rwanda, mais dans les éléments que j'ai eu, il était, voilà, ce qu'on avait déjà dénoncé, enfin annoncé avant. Il venait surtout pour arriver à convaincre Félix Tshisekedi pour qu'il accepte le brassage des troupes, enfin des M23, enfin le réseau terroriste des M23, hein, tous les accords qu'il y a eu à Nairobi ou à Luanda. Et Félix Tshisekedi est tellement sous pression en ce moment. Il lui a opposé une fin de non-recevoir. Donc, des éléments que j'ai eus, dont je pourrais parler un peu plus longuement dans les jours à venir. Pour l'instant, il n'a même pas pu obtenir ce qu'il était venu chercher pour le Rwanda. Et en plus de ça, là où il y a quand même une manipulation qu'on sent effectivement avec les éléments que j'ai eus d'ailleurs concernant Fally Ipupa, sa présence à côté d'Emmanuel Macron, il le devait surtout à l'influence de Mushiki Wabo auprès de l'Élysée. Parce que des éléments que j'ai eus, c'est Louise Moutchikiobo qui a conseillé à l'Élysée d'aller s'attacher les services de Fally Ipupa et éventuellement de Maître Gims qui a eu la bonne idée de refuser et pour que essayer comment dire de s'attirer la sympathie de certains Congolais. Mais le problème, c'est que Louise Moutchikiobo, c'était pas dans son intérêt que la France aille là-bas comme un pays qui défendait les droits de l'homme dans un pays qui est la capitale mondiale du viol dans la période de la Journée internationale des droits de la femme, parce que forcément, si on mettait l'accent là-dessus, on était obligé de parler des violences que subissent les Congolais à cause du Rwanda. Et donc forcément, Louise Moutchikiobo, elle a joué son rôle par rapport à son chef l'Hitler africain Paul Kagame et le Rwanda. Voilà, elle a pu détourner les choses de manière à ce que le Rwanda ne soit pas à nouveau stigmatisé. Et ça, c'était dans l'intérêt de qui? C'est dans l'intérêt du Rwanda, mais c'est pas dans l'intérêt ni de la France, ni de la République démocratique du Congo. Parce que quand les Congolais meurent de cette manière-là, quand ils sont exterminés par ce pays-là, hein, qui se dit anglophone, hein, qui fait partie des pays qui combattent en réalité depuis des années les intérêts de la France à travers le monde, les aider comme ça à dégrader l'image de la France, c'est quand même assez déplorable. Donc voilà. Et là, Louise Moushikiwabo, elle a utilisé, le Rwanda a utilisé l'Élysée pour continuer à véhiculer l'image que les Congolais sont toujours dans la catégorie, comme ils disent de nous, BMW, hein, la bière, le B, musique, et les femmes, donc women. Et voilà. Donc c'était ça un peu le cliché qu'ils ont fait à Bandal, c'était ça. Et malheureusement, ils ont pu utiliser, écoutez, le chef de l'Élysée. C'est quand même assez triste. Alors, changeons de registre pour parler de la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Les violences n'en finissent pas à l'est de la RDC, malgré les condamnations unanimes pratiquement de la communauté internationale contre le Rwanda. Mais qu'est-ce qui fait que, justement, toutes ces condamnations unanimes font que la situation ne change pas? Et que veut Kagame, Paul Kagame, le président rwandais, mais aussi Félix Tshisekedi, est-il en mesure de régler ces problèmes de l'Est? Ça fait pratiquement 3 décennies. Concernant donc ce que Paul Kagame cherche réellement en République démocratique du Congo, je pense que maintenant c'est un secret de Polichinelle. Il veut obtenir des terres à l'Est de la République démocratique du Congo. Et il veut les obtenir alors que, en réalité, ils n'y ont pas droit, puisque quand on voit toute la série de mensonges, hein, dont ils ont pu abreuver le monde concernant leurs droits, le droit des soi-disant Banyamulenge, les rwandophones maintenant, parce qu'on n'ose plus parler de Banyamulenge parce que la supercherie a été mise à nu. Et tout ça, tous ces mensonges, quand quelqu'un est dans son bon droit, hein, quand vous voulez réclamer quelque chose qui soi-disant vous appartient, vous ne mentez pas. Or, c'est ce que fait Paul Kagame et les hégémonistes tutsis.
hein, autour de cette histoire des terres congolaises à l'est du pays. Et là, aujourd'hui, leur préoccupation principale, c'est de pouvoir déverser des populations rwandaises à l'est. Et pour ça, c'est là où je tiens vraiment à ce que nos compatriotes m'écoutent bien là-dessus. Il va falloir absolument que nous nous mobilisions pour que cela n'arrive pas. Parce que quand on nous parle des populations qui seraient en dehors de la République démocratique du Congo, des réfugiés congolais qui sont dans les autres pays, franchement, vous pensez vraiment que des gens qui se font tuer par les Rwandais en République démocratique du Congo vont prendre comme destination le Rwanda pour aller se protéger? Franchement, à qui on veut faire gober ça, hein? Donc oui, dans les républiques démocratiques du Congo, il y a des déplacés qui sont chiffrés maintenant à plus de 5 500 000 déplacés congolais en République démocratique du Congo. Mais ceux dont les déplacés, enfin les réfugiés congolais qui seraient allés dans des pays limitrophes, dont le Rwanda, vous imaginez vraiment, en réalité, ce sont encore ces populations qui n'ont pas été identifiées suffisamment, que le Rwanda tient à déverser. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument qu'ils arrivent à ce que l'espace que le M23 vient encore de dégager, hein, avec l'aide de l'EAC. Toutes ces terres qu'ils ont conquis là à l'est, il va falloir maintenant qu'ils ont pu, enfin, il y a le travail de vider les Congolais de toutes ces terres et de déverser les rwandophones, hein, sous couvert de soi-disant l'étiquette congolaise, pour qu'ils aillent occuper ces espaces-là et qu'à terme ils puissent demander, faire le, comment dire, lancer le référendum d'autodétermination qui va leur permettre de faire cette balkanisation d'ici quelques temps. Donc, ne soyons pas dupes. C'est pour ça, c'est là où je dis que le voyage de M. Macron en République démocratique du Congo, nous, ça ne nous apporte pas grand-chose, parce qu'il est venu défendre aussi ce projet-là. Que oui, voilà, il faut respecter les accords de Luanda, etc., les accords. Mais dans ces accords-là dont ils sont en train de parler, il y a cette possibilité-là d'absolument faire en sorte que ces populations qui sont à l'extérieur de la RDC puissent venir. Mais en réalité, ce sont des Rwandais qui vont encore venir s'installer en République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, on a plus de 5 millions de Congolais qui sont déplacés. Pourquoi ces Congolais-là ne pourraient pas d'abord revenir, hein, dans leur village plutôt que d'aller chercher des populations à l'extérieur qu'on n'a pas identifiées? Et en plus, là où je voulais encore insister, la gravité de la situation aujourd'hui, c'est que vous avez pu assister vous-même à un enrôlement qui a été bâclé. Posez-vous la question, pourquoi, hein, dans les conditions actuelles, on a voulu absolument faire cet enrôlement qui ressemble à rien, hein? Tout ça pourquoi? Parce qu'il fallait absolument que les Congolais cautionnent cette opération. Mais ceux qui ont le plus besoin de cette opération aujourd'hui, c'est justement le Rwanda. Parce qu'avec cette opération, comme vous le savez, toutes les personnes qui ont des cartes d'électeurs deviennent automatiquement des Congolais. Or, la façon dont sont octroyées ces cartes d'électeurs, ça ne garantit pas justement la fiabilité de ce qui s'est passé là. Or, donc voilà, en acceptant, hein, de participer à un processus électoral dans un pays occupé, c'est-à-dire qu'un pays qui est contrôlé par les occupants, le Rwanda en l'occurrence, la classe politique congolaise qui a cautionné ça a permis au Rwanda de fabriquer déjà ces cartes d'électeurs qui vont donner à tous ces Rwandais qui vont arriver de l'extérieur, etc., sans compter ceux qui sont déjà là, et pouvoir créer cette population qui, à terme, va demander l'autodétermination pour créer cette enclave-là et commencer à faire cette balkanisation. Parce que la balkanisation, oui, les Congolais n'en veulent pas. Emmanuel Macron est venu vous dire, oui, non, pas de balkanisation, on ne veut pas la guerre, etc. Mais il y a une balkanisation qui va se faire de manière plus douce. Il y a déjà une balkanisation, entre guillemets, administrative, quand on vous a fait l'état des sièges. Et maintenant, ça va se faire avec toutes ces populations qui vont arriver et qui vont aller vers l'autodétermination, le référendum d'autodétermination. Donc voilà ce qui nous pend au nez. Et c'est là où on ne peut pas compter sur Félix. Vous demandez si Félix peut. Félix, c'est qu'il peut faire quelque chose. Non, Félix ne peut pas. Félix, il est dans le deal avec ces gens-là. Félix, il est à la tête d'un régime d'occupation. C'est le Pétain congolais, hein, pour faire simple. Ici, on avait sous l'occupation, voilà, on avait le gouvernement de Vichy. Ben, c'est un peu ce que nous avons là maintenant. Et donc, ce ne sont pas des gens qui sont là pour défendre le Congo. Ils auront toujours une ligne rouge qu'ils ne pourront pas franchir. La preuve en est que
tous c'est eux qui continuent à nommer des Rwandais ou des personnes qui ne sont pas bien identifiées dans nos services de sécurité. Ceux qui étaient déjà là, qui avaient été déjà déversés dans nos services de sécurité par son prédécesseur, celui qui se fait appeler Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, il ne les a pas écartés. Ça fait que nous avons une armée, nos services de sécurité qui sont infiltrés par le Rwanda. Et tout ce qu'ils veulent faire encore, c'est encore déverser d'autres Rwandais, d'autres criminels rwandais au sein de nos institutions. Donc par le canal des terroristes rwandais du M23. Hein. Donc voilà ce qui est en train de se passer. On ne peut pas compter sur Félix Tshisekedi. Félix, qu'est-ce qu'il a posé comme acte, hein, par rapport, ça veut dire tous les accords que Kabila avait déjà signés, qui font que nous mettre la RDC à la merci du Rwanda ou à la merci de l'Ouganda, etc. Tous ces pays-là, vautours et tout. Félix Tshisekedi est venu renforcer ce processus en allant en plus nous introduire dans la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Or, ces États-là sont les complices de Kagame. La preuve en est que il y a, parmi ces troupes qu'on est en train de déverser en République démocratique du Congo, vous avez au moins trois armées, donc le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, qui sont stigmatisées, qui ont été épinglées dans le rapport mapping. Comment vous pouvez demander à des armées qui sont épinglées pour des crimes de guerre, déjà dans le rapport mapping, leur demander en plus de revenir sur les lieux du crime sans qu'il y ait eu justice, sans qu'on ait pu faire la part des choses, etc. Donc ils reviennent sur les lieux du crime et on lui dit qu'on va vous faire croire que c'est eux qui vont protéger les Congolais, mais non. Donc voilà, Félix Tshisekedi est en train de nous livrer pieds et poings liés. Quand vous regardez ce que Félix Tshisekedi a pu faire dans bien des domaines économiques, sécuritaires, etc. Quand vous regardez ça d'un point de vue des intérêts congolais, vous trouvez que c'est aberrant, c'est incompréhensible, c'est incohérent. Mais c'est quand vous regardez de l'angle de Kigali que là, vous trouvez qu'il y a du sens parce qu'il est au service de Kigali. Il est en train de protéger les intérêts de Kigali. Et Emmanuel Macron, en venant là, il a fait la même chose. Oui, les Congolais, on a notre part de responsabilité, etc. Mais la France, quand elle vient agir comme ça, elle aide pas le Congo. Elle est en train d'aider plus le Rwanda qu'autre chose. Et la France qui a vécu l'occupation sait très bien que quand il a fallu libérer la France, c'était pas en s'appuyant sur les collabos, on s'est appuyé, les alliés qui ont voulu aider la France à sortir de l'occupation nazie, s'est appuyé sur les résistants. Or aujourd'hui, la France vient vous dire qu'elle va trouver une solution en République démocratique du Congo, mais en s'appuyant sur les collabos, c'est-à-dire les plus cupides d'entre nous, les plus faibles, ceux qui sont capables de brader leur pays en acceptant de partager le pouvoir avec les occupants. Et ce sont sur ces gens-là qu'on veut s'appuyer et après on s'étonne que rien ne va, que ça ne va pas. Mais non, voilà. Donc, qu'est-ce que Kagame veut des terres et pour ça, il faut qu'il contrôle Kinshasa. C'est ce qu'ils font déjà à travers Félix Tshisekedi, puisque vous savez qu'il est le fruit d'un deal avec Kigali via Kingakati. Et qu'est-ce qu'il veut aujourd'hui? C'est ben, déverser ses populations et aller vers l'autodétermination par le référendum. D'autodétermination. Enfin, pardon, aller vers la balkanisation par le référendum d'autodétermination pour créer une enclave à l'est de la République démocratique du Congo. C'est devenu un secret de Polichinelle. Il faut que les Congolais soient conscients de ça et qu'on commence à se mobiliser fortement pour faire pression pour ceux qui sont là, nos soi-disant autorités, pour qu'ils n'aillent pas dans ce sens-là. Félix Tshisekedi est déjà sous pression. Nous devons renforcer cette pression. Voilà. Alors, parlons élections. La République démocratique du Congo, vous le savez, Madame Okeke, que se trouve dans une année électorale en 2023, en principe. Selon les calendriers de la Commission électorale nationale indépendante, les Congolais voteront le 20 décembre 2023. Alors, justement, ces processus s'avèrent même peu chaotique, s'il faut le dire, selon les observateurs, et que la tenue de ces scrutins s'avère de plus en plus hypothétique. Mais parlons-en quand même. Pensez-vous que ces élections auront bel et bien lieu? D'après les infos dont j'ai pu disposer déjà depuis plusieurs mois, si vous allez sur notre site www.resistancecongolaise.fr, vous verrez que j'avais déjà fait des publications depuis au moins l'année dernière. Surtout juste après le voyage du secrétaire d'État américain Anthony Blinken en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, je vous avais dit à ce moment-là, donc c'était l'été l'année dernière, hein, Félix Tshisekedi avait demandé un glissement déjà au secrétaire d'État américain, et celui-ci lui avait dit que bon, ils allaient étudier la question et qu'on lui répondrait. Et quelques semaines plus tard, il y a eu un autre émissaire de M. Biden,
M. Amos Hochstein, qui a apporté la réponse à Félix Tshisekedi, en tout cas d'après les éléments que moi j'ai, que j'avais déjà, et j'en ai parlé aussi dans mes publications et mes communications déjà l'année dernière, pour vous dire qu'il avait eu l'accord des États-Unis, et sous condition, mais il avait déjà l'accord. Donc moi je vous ai dit déjà depuis l'année dernière qu'il n'y aura pas d'élection cette année en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, bah, de toute évidence, ce que je vous ai dit, c'est en train de se confirmer. Et donc voilà. Donc oui, si, est-ce qu'il y aura des élections? Non, d'après les éléments en tout cas que moi j'ai eu, il n'y a pas d'élection. Et d'ailleurs, le voyage d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, ça allait dans ce sens-là, puisque dans les éléments que j'ai eu aussi, quand je dis les éléments que j'ai, c'est comme je continue à travailler avec le réseau de Banda, avec qui on travaillait déjà à l'époque. Je vous parlais tout à l'heure de l'œil du patriote. C'était un peu toutes ces personnes-là qui nous donnaient déjà des informations. Et donc voilà, c'est toujours par les mêmes canaux. En général, donc j'arrive à avoir un peu certaines informations. Et donc là, en l'occurrence, concernant le voyage d'Emmanuel Macron en République démocratique du Congo, ben, parmi les entretiens, le contenu des entretiens dont j'ai pu avoir un peu le feedback, ben, il s'agissait déjà de parler de de ce glissement, hein. Et le problème aujourd'hui, c'est comment le faire, comment dire, faire passer ça auprès des Congolais, parce que l'opposition, la soi-disant opposition, évidemment, s'y oppose, puisque chacun voulait être soutenu par la communauté internationale, puisqu'ils cherchent plus leur légitimité à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, et surtout auprès des occupants aussi. Et donc, pour la plupart, ils sont déçus, puisque aujourd'hui, au niveau de la communauté internationale, d'après les informations que j'ai, c'est plutôt Félix Tshisekedi qui a reçu un peu leur aval par rapport au glissement. Et évidemment, les autres font bloc maintenant contre lui. Donc, on va sûrement assister dans les jours à venir à un bloc tous sauf Fatshi. Mais à vrai dire, je vous dis sincèrement, par rapport à tous les éléments que j'ai pu avoir depuis quelques temps concernant la classe politique qu'on voit là, voilà, c'est Félix Tshisekedi, c'est vrai, il doit partir. Ça, nous, on l'a toujours dit, on continue à le dire. Mais pour le remplacer par qui, dans tous ces gens-là, c'est quand même un peu compliqué. Je pense qu'on pourra revenir par rapport à ça tout à l'heure, mais voilà. Est-ce qu'il y aura des élections en République démocratique du Congo? À ma connaissance, non. Mais alors, pourquoi votre structure, la CNRC, s'oppose à ces élections en RDC? Le Conseil national de la résistance congolaise, donc le CNRC en sigle, s'oppose à ces élections, et bon, on a à le dire à plusieurs reprises, parce que tout simplement, notre pays étant occupé, chaque fois qu'on organise des élections dans un tel contexte, on ne fait que renforcer l'occupation. Et les élections qu'on organise dans un tel contexte ne profitent que aux occupants ou à leurs marionnettes. On a eu le cas de celui qui se fait appeler Joseph Kabila, hein, donc on a bien vu comment les élections ont pu le profiter au moins à deux reprises, en 2006 et puis en 2011. Et on a le cas de Félix Tshisekedi, qui est une marionnette de l'occupation, et vous voyez le résultat que ça donne. Donc voilà, les élections dans un tel contexte, quand ça veut dire qu'on n'a pas le contrôle de ce qui se passe, ça permet par exemple, ce que je vous ai dit tout à l'heure, un enrôlement dangereux qui permet à d'autres occupants de venir renforcer ceux qui sont déjà là par le biais de ce processus électoral biaisé qui fait que ben, voilà, il y a des personnes extérieures qui vont pouvoir bénéficier de la nationalité congolaise. Voilà. Et tout ça avec une espèce de caution des Congolais, parce qu'à partir du moment où vous acceptez ça, vous légitimez quelque part tout ce processus-là. Donc il n'y a qu'une seule chose à faire, on l'a déjà dit, il n'y a aucun pays occupé au monde qui a été libéré par des élections. Et c'est pas en RDC Congo, en République démocratique du Congo que ça va commencer. Donc dans ce cas de figure, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de balayer tout ça, et nous préconisons donc le soulèvement populaire. Et voilà, tout simplement. Donc nous nous opposons parce que nous pensons que la solution pour sortir la République démocratique du Congo de la situation dans laquelle on est, ce n'est sûrement pas les élections, hein, qu'on ne contrôle pas. On a vu des gens qui ont mobilisé les Congolais pour aller aux élections. Ils n'avaient pas la date, ils n'avaient pas le contrôle. Résultat aujourd'hui, ben, on annonce qu'il n'y a pas d'élections. Qu'est-ce qu'ils vont vous mettre sur la table? Ils vous disent qu'ils veulent attendre des élections pour aller au soulèvement. Mais pourquoi on ne peut pas aller au soulèvement avant, dès maintenant?
puisque c'est tous les jours que nous ramassons des cadavres de Congolais. On n'a pas à attendre pour mettre un terme à tout ça. Tous les jours, nous voyons comment l'occupation est en train de s'enraciner. Aujourd'hui, on parle de la balkanisation, de la concrétisation de la balkanisation, etc. Voilà qu'est-ce qui s'est passé. Les occupants sont en train de gagner du temps. Les occupants sont en train de poser des actes. Hein. Le Rwanda pose des actes de guerre, etc. Et les Congolais sont là comme s'ils étaient pieds et poings liés. Ils n'arrivent pas à prendre les bonnes décisions, etc. Parce que nous sommes infiltrés, parce qu'on est sabotés de l'intérieur, notre armée notamment. Et voilà, donc non, non, les élections, c'est pas du tout une solution. Au contraire, c'est très dangereux pour nous d'accepter ce processus dans un tel contexte. Voilà, je pense avoir répondu à votre question. Et faisons un raccordement avec le mois de mars, et puisque nous sommes en pleine période de la journée des droits de la femme, pensez-vous que les femmes congolaises seraient de meilleures responsables politiques que les hommes pour occuper des postes à la tête du pays, notamment la présidence de la République, au Sénat et peut-être à l'Assemblée nationale? Est-ce que les femmes seraient des meilleurs responsables politiques que les hommes en République démocratique du Congo? C'est une bonne question. Je sais que j'entends souvent certains Congolais qui se disent oui, les hommes ont échoué en République démocratique du Congo, pourquoi ne pas tenter une femme? Bon, je vous ai dit tout à l'heure, une des questions que vous m'aviez posée, que moi, je ne réfléchis pas forcément dans le travail et tout ça en termes de femmes ou d'hommes. Je réfléchis en termes d'idées ou de compétences, etc. Peu importe que ce soit une femme ou un homme. Parce que je pense qu'en l'occurrence, les femmes peuvent effectivement apporter, les hommes aussi peuvent apporter. Ça dépend des dons qu'ils ont ou des compétences qu'ils ont, etc. Donc là, en l'occurrence, je n'ai pas changé d'avis. Parce que je me dis, surtout en République démocratique du Congo, la première chose sur laquelle moi je pourrais me baser pour choisir entre un homme, une femme pour travailler éventuellement pour notre pays, ce serait déjà de savoir qui sont ceux qui ont compris réellement le problème dans lequel nous nous trouvons, ceux qui sont les plus déterminés pour en sortir. Et voilà, donc dans leur parcours, etc., les preuves ou les traces de leur engagement, etc. Donc pour moi, ce serait plus ça le critère. Et parce que de toute manière, je me dis qu'il ne faut pas qu'on tombe dans la naïveté, hein. Aujourd'hui, vous avez des hommes qui sont là, effectivement, qui font n'importe quoi, mais regardez-les, hein, ils sont entourés de femmes. Plus ils ont d'argent et plus ils ont des femmes autour d'eux. Ces femmes-là savent très bien que ces hommes-là, l'argent qu'ils ont, écoutez, ça peut être au détriment de la population, puisqu'on voit dans quelle misère vit notre population. Est-ce que ces femmes-là, ça les dérange vraiment? Il y en a plusieurs qui s'en accommodent tout à fait, hein. Et donc, voilà, aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui ne sont pas forcément les meilleures conseillères auprès de ces hommes qui sont en train de détruire notre pays depuis tant d'années. Et puis, on a aussi un problème avec les femmes congolaises, souvent, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne s'intéressent pas assez à la politique et tout. Et c'est vrai que quand on regarde même au niveau de la parité et tout ça dans le monde politique, vous voyez bien qu'il y a encore du chemin à faire. Donc moi je me dis, je privilégie plutôt les connaissances et l'engagement, etc. Et surtout aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, il faut qu'on ait des personnes qui sont contre l'occupation, qui sont engagées, pas ceux qui sont déjà dans le système, etc. Parce que aujourd'hui, moi je vous dis, en France, quand on parle de la résistance, parce que après tout c'est un terme français, l'occupation, etc. C'est nous, on est congolais à la base, on parle, c'est pas notre langue, hein. Donc il y a des principes qui sont liés à ça. Faut pas les galvauder. Ceux qui sont là dans le régime d'occupation, écoutez, ici on les appelait des collabos, hein, des collaborationnistes. Et donc que ce soit des hommes ou des femmes, c'est pareil. Hein. Voilà, il vaut mieux suivre des personnes qui ont réellement une vision par rapport au pays, par rapport à la problématique dans laquelle on est, plutôt que d'aller juste voilà, un peu par naïveté ou voilà, avec un élan. Voilà. Mais ceci dit, je ne dis pas que peut-être qu'il y a certaines femmes qui pourraient avoir peut-être plus à cœur de protéger le pays, etc. Mais bon, je demande juste que les Congolais, par rapport à ça, qu'on soit rigoureux. Et aujourd'hui, la priorité, c'est déjà d'écarter tous ceux qui composent avec les occupants. Et là, je pense qu'il faut être intransigeant, que ce soit un homme, une femme. Voilà, il faut protéger le pays d'abord et ne pas tomber dans cette naïveté-là.
Voilà, restons toujours sur les élections. Bien qu'on a compris, on semble comprendre qu'en tant que résistante, vous ne comptez pas participer à ces élections si elles avaient lieu, puisque notre pays est occupé. Essayons quand même de nous jeter justement sur cette question. Alors, dans un contexte normal, que pensez-vous de quelques têtes d'affiche qui se profilent déjà pour la présidence de la République? Parce qu'il y a des gens qui s'annoncent, qui s'affichent comme tel candidat président de la République. Nous citons Martin Fayulu Madidi de la Lamuka, Matata Ponyo, Moïse Katumbi, Denis Mukwege, Denis Essanga, Félix Tshisekedi, Adolphe Muzito. Et peut-être, selon ses partisans, on parle même de Joseph Kabila qui devrait revenir et d'autres candidats aussi. Alors, si aucun d'eux ne trouve grâce à vos yeux, qui pourriez-vous proposer au peuple congolais? Monsieur Kalonji, écoutez, je vais essayer de me prêter au jeu, mais souvenez-vous quand même de ce que je vous ai déjà dit. Pour moi, tout à l'heure, ce que je disais, c'est que les personnes en qui je peux croire pour trouver une solution par rapport à notre pays sont des personnes qui n'acceptent pas de composer avec les occupants. Hein? Qui n'acceptent pas de composer avec les occupants, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est déjà, ce sont des personnes qui ne veulent pas aller aux élections. Or, toutes les personnes dont vous me parlez là, ce sont des personnes qui acceptent de composer avec les occupants, puisqu'ils participent au système en place. Nous sommes dans un pays occupé, le régime en place, c'est un régime d'occupation. C'est un régime qui collabore avec les occupants. Donc forcément, toutes les personnes que vous citez là ne m'intéressent pas a priori et je ne les recommanderais à personne. Et je m'en explique peut-être plus précisément. Je prends le cas de Martin Fayulu. Martin Fayulu était venu vers M. Noreen Gbanda. Comme vous savez, M. Noreen Gbanda avait une expertise en matière de sécurité et de défense. Or, le problème que nous avons, puisque nous avons un problème d'occupation, c'est un problème qui relève essentiellement de la sécurité et de la défense d'un pays. Donc, quelqu'un comme Martin Fayulu, qui n'a pas assez d'expérience en matière de sécurité et de défense, c'était d'ailleurs judicieux qu'il vienne vers M. Noreen Gbanda pour travailler avec lui. Parce quand il était question justement de mobiliser la population pour faire valoir sa volonté, etc. Mais M. Martin Fayulu a été au bout d'un moment aux abonnés absents. Pourquoi? Quand il a fallu mettre un état-major commun à l'intérieur du pays, il a pris le large en quelque sorte. Et il a fait mine de revenir quelques temps après. Mais entre-temps, on devait travailler. Il n'était pas là. Il ne s'est pas expliqué. Il avait disparu. Hein? Voilà. Quand ça devenait un peu plus sérieux, il n'était plus là. Voilà ce qui s'est passé. Et je sais de quoi je parle parce que si vous vous rappelez, à l'époque, bien que nous ayons deux vice-présidents en Belgique, c'est moi que M. Noreen Gbanda avait mandaté. Donc c'est moi qui conduisais la délégation qui est partie de Paris pour Bruxelles pour rencontrer Martin Fayulu où il y a eu quelques images. Et ensuite, quand il y a eu des réunions, des entretiens entre Martin Fayulu et M. Noreen Gbanda, j'étais la seule à y assister. Donc ce dont je vous parle, je sais de quoi je parle. Et le dernier message que M. Noreen Gbanda a donné, a transmis à Martin Fayulu, je l'ai, il est enregistré. Donc il ne peut même pas contredire ce que je vous dis ici. Voilà. Voilà, Martin Fayulu, 60% aux élections, mais il était incapable de donner un mot d'ordre ou de s'organiser réellement pour qu'il y ait un véritable soulèvement populaire. Hein. Et faire l'économie des conseils de quelqu'un comme Honoré Nguanda, il faut quand même un peu le faire. Surtout quand on voit aujourd'hui à quel point il avait raison dans les diagnostics qu'il a posés, etc. Concernant Martin Fayulu, je vous rappelle en plus que voilà, il a eu comme directeur de campagne le conseiller spécial en matière de sécurité de qui? Joseph Kabila, enfin, celui qui se fait appeler Joseph Kabila. Lui-même, Monsieur Lumbi, donc, puisque c'est de lui qu'il s'agit, décédé aujourd'hui, mais voilà. Imaginez conseiller spécial en matière de sécurité et défense de Joseph Kabila. Joseph Kabila a fait quoi dans notre pays? Hein? Il a surtout massacré et il a surtout pillé. Donc, quelqu'un qui était dans ce domaine-là à côté de lui, vous pensez bien que c'est quelqu'un qui est comme ça avec lui. Hein? Voilà, quand on le place à côté de Martin Fayulu comme directeur de campagne, c'est bien parce qu'il est entre leurs mains, en réalité. Donc, quand on voit aujourd'hui ce qui se passe, c'est pas étonnant que vous le voyez organiser des manifs avec des chadaris, des gens de Kabila. Comment vous imaginez quelqu'un qui a fait 60% aux élections, qui va aller organiser des manifs, hein, l'histoire là des blocs patriotiques, etc., que moi j'appelle bloc antipatrie, parce que comment pouvez-vous parler de bloc patriotique avec des Rwandais dedans, hein, franchement, hein, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc voilà, pour Martin Fayulu, je pense que ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin, je vous en ai suffisamment dit. À part ça, vous parliez de Matata Ponyo. Matata Ponyo, je vous renvoie au témoignage de M. Lunda Bululu.
qui a été premier ministre de Mobutu au début des années 90, 90-91. Monsieur Lunda Bululu était étonné de voir Matata Ponyo occuper des postes à responsabilité chez nous, puisqu'il l'a reçu un jour comme chef des délégations rwandaises. Alors, quand est-ce qu'il a pris la nationalité congolaise? C'est à lui de nous le dire. Hein? Donc voilà, je vous renvoie à cela. Et en plus, je vous rappelle qu'il a quand même été premier ministre de Joseph Kabila. Et je vous dis, quand on veut résumer ce que Joseph Kabila a fait dans notre pays, il a tué et il a pillé. Donc voilà, et ceux qui ont travaillé avec lui, ben, ils ont été complices. Hein? Et en plus, ils reviennent aujourd'hui, ils ne sont pas des faits de Kabila, ils sont toujours ensemble. Hein? Voilà. Donc en plus, il doit s'expliquer sur ses origines et tant qu'à faire, nous donner aussi son arbre généalogique jusqu'à la quatrième génération. Comme ça, au moins, les choses seront claires une bonne fois pour toutes. Ensuite, vous parlez de Moïse Katumbi. Bon, là, avec M. Honoré Nguanda, si vous vous rappelez, on a toute une documentation qu'on avait publiée le concernant, mais je veux bien revenir un petit peu là-dessus. Moïse Katumbi, il y a des témoignages d'un de ses oncles-là, zambiens, hein, donc sa mère zambienne, son père grec, lui-même avec une nationalité italienne, et tout ça. Donc voilà, Moïse Katumbi n'est pas congolais. Donc voilà, et puis il vous parle de son expérience, il a été gouverneur du Katanga, etc. Mais ils ont démantelé la Gécamines, merci. Ils ont pollué beaucoup de terres katangaises, puisque comment dire, la manière dont ils ont exploité nos minerais, etc., sans protéger un peu enfin, ni les personnes qui allaient extraire les minerais, etc. Il y a des problèmes de pollution dont souffrira sûrement le Katanga, dont souffre déjà en partie le Katanga aujourd'hui. Il fait partie des responsables par rapport à ça. Et voilà, il a été avec Kabila. Hein. Ils ont pillé ensemble, ils ont menti ensemble, ils ont volé ensemble. Et je vous rappelle aussi une chose. On avait fait une publication que j'avais déjà remis, je pense, l'année dernière, avec M. Nangwanda, comment les Américains ont su que Moïse Katumbi fricotait toujours avec Kabila parce qu'il était sur écoute. Et pendant qu'il faisait croire que bah, ils avaient des problèmes, etc., en réalité, ils continuaient à l'appeler et ils étaient toujours en bon terme en réalité. Donc voilà, nous, sachant ça, moi, Moïse Katumbi, c'est pas la peine. Hein, et quand il vous parle de son expérience sous Kabila, bah, c'est pas une référence parce que Kabila, c'est pas une référence. Hein. Vous m'avez parlé aussi de, ah oui, Denis Mukwege. Ben, Denis Mukwege, je vous renvoie à l'article, comment dire, à l'émission que j'avais fait sur lui. Je vous ai dit, et je répète ce que j'ai dit, sa mère est Hutu, sa femme est moitié Tutsi rwandaise, de la famille de Bosco Ntaganda, paraît-il. Son père est au moins moitié congolais. Je suis en train de vérifier parce qu'il semblerait que son père serait pas totalement congolais. Il faudrait voir dans la branche de sa mère. D'ailleurs, c'est bizarre parce que donc la grand-mère de Denis Mukwege du côté paternel. C'est bizarre d'ailleurs parce que quand comment dire, les soutiens de Denis Mukwege nous parlent de lui, il y a une publication qu'ils avaient fait même sur Facebook qui parle de sa lignée généalogique. Il parle pas de son arbre généalogique. Il parle de lignée généalogique et il vous cite que le père du père, du père, du père, du père de Denis Mukwege. Mais un arbre généalogique, hein, on doit parler quand même des branches maternelles, etc. Mais Denis Mukwege, quand on parle de sa filiation, on évite de parler des femmes, de sa famille. C'est bizarre, hein, surtout pour quelqu'un qui est censé avoir fait de la cause de la femme congolaise vraiment un cheval de bataille. On le remercie, hein, pour le travail qu'il a fait pour nos mamans là-bas à l'Est. Mais concernant son arbre généalogique, il y a des choses qui ne sont pas claires. Et en plus, il y a eu parmi ses soutiens, dont l'un qui a été reçu à l'Élysée la dernière fois, là, monsieur Odimba, qui a fait une vidéo qui est sortie là, qui dit, oui, pour ceux qui posent des questions sur les origines de Denis Mukwege, vous allez voir dans son livre, ça y est. Le même Odimba m'a appelé moi en me disant, maman présidente, j'ai regardé dans le livre, enfin voilà, ça n'y est pas. Mais on m'avait dit, donc il m'a cité le nom de la personne, donc un des autres proches de Denis Mukwege qui lui avait dit que ça se trouvait. Il n'a pas vérifié, il s'est précipité pour aller faire la vidéo, si jamais vous ne l'avez pas, je l'ai, hein, dans laquelle il disait que les origines congolaises de Denis Mukwege étaient relevées dans son livre, il suffisait d'aller voir. Et ben, lui-même, il a regardé, il n'a pas trouvé. Et moi, je lui ai dit, bah écoute. Tu as induit certains Congolais en erreur, va faire un démenti toi-même. Jusqu'aujourd'hui, j'attends toujours. Hein. À côté de ça, il y a quelque temps ici, il y a encore un autre membre de l'équipe de Mukwege qui ont contacté CKA TV pour faire un droit de réponse par rapport à l'émission que moi j'aurais fait là-bas, que j'avais fait là-bas, concernant Denis Mukwege, justement, où je rappelais juste ce que je viens de vous dire ici. Eh ben, ils ont insisté pour le faire. On a prévu l'espace pour qu'ils puissent y passer. Eh ben, jusqu'aujourd'hui, ils ne répondent plus au téléphone.
Voilà. Donc, pour ceux qui seront en contact avec eux, continuez à leur demander. Monsieur Denis Mukwege qui dit qu'il est attaché à la justice, eh bien, la justice, ça marche avec la vérité. La paix, etc., oui, mais la vérité, c'est très important aussi. Et en l'occurrence, voilà, en français, on dit quand c'est fou, ce qu'il y a un loup, il faut qu'ils nous disent. Hein, parce que nous sommes dans un pays occupé, essentiellement justement par le Rwanda et le Burundi. Et donc, nous devons absolument savoir, les gens qui veulent aujourd'hui prendre des responsabilités dans l'échiquier politique congolais, on doit savoir quelles sont les influences qu'ils peuvent avoir au niveau familial, au niveau voilà, d'un tas de choses. Et on ne peut pas aller comme ça, là, à l'aveuglette, etc. Donc, voilà un peu pour Denis Mukwege. Ben, voilà, je pourrais revenir sur d'autres aspects plus tard. Vous m'avez parlé aussi de d'Elise Essanga. Écoutez, Delice Essanga, je pense que je ne vais pas être très longue. Il a été membre cofondateur du RCD Goma. Je pense que ça veut déjà dire beaucoup. Tout le monde sait ce que le RCD Goma représente en République démocratique du Congo. Hein. C'est vraiment une des branches armées de Kigali. Hein. Alors, un Congolais qui serait là-dedans, enfin voilà, vous savez ce que le RCD Goma a fait chez nous, les crimes qu'ils ont commis chez nous. Et quelqu'un qui a fait partie de ça n'a rien à faire dans notre espace. Et sans compter qu'il a aussi, il a été aussi membre des gouvernements, au moins d'un gouvernement de Kabila. Il était ministre des Plans. Ben, écoutez, je vous ai dit tout à l'heure, tous ces gouvernements-là, donc c'est un régime d'occupation. Donc tous ceux qui travaillent dans ce régime d'occupation, vous savez ce que ça veut dire. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, on les appelait des collaborationnistes. Donc voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Concernant Delice Sanga, il y a peut-être d'autres détails, mais bon, je ne vais pas être longue ici. Je pense que ce que je vous ai dit là, c'est déjà l'essentiel. Ensuite, vous avez. En plus, Delice Sanga, j'ai eu un rapport sur lui il n'y a pas longtemps. Il a eu à échanger avec certains diplomates. Et je peux vous dire qu'en ce qui le concerne, il ne compte pas s'opposer à la création d'une enclave. Rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, il en a parlé avec certains diplomates, enfin certaines autorités étrangères. Donc voilà, j'en ai eu vent. Donc voilà. Donc, comme je vous dis, de toute manière, il vient du RCD Goma, ça veut tout dire. Ensuite, vous parliez de ben, Félix Tshisekedi. Bon, je vous ai déjà dit tout à l'heure, celui-là, c'est vraiment, ça a été quoi, le meilleur élève de Joseph Kabila, comme je l'appelle souvent. Hein, il n'y a qu'à voir ce qu'il vous est, il est en train de vous servir comme élection, etc. Il n'y a qu'à voir comment il ment, hein, par rapport à la manière dont il est arrivé, faussaire, etc. Il n'y a qu'à voir ce qu'il a pu faire aussi. Concernant l'une des seules décisions de justice qui avait abouti au sujet de la République démocratique du Congo avec l'Ouganda qui a été condamné par la Cour internationale de justice, hein, il a réussi comment dire, à étouffer pratiquement ce dossier-là et au lieu que l'Ouganda réponde réellement. De ce qu'il a fait chez nous, ben, grâce à Félix Tshisekedi, ben, les victimes en sont encore là à attendre hein, la suite réelle de ce dossier. Donc voilà, et puis vous avez vu tout le monde, enfin, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Félix Tshisekedi est en train de gérer, par ailleurs, comment dire, la trahison, hein, comment dire, la complicité qu'il y avait déjà entre son père et le Rwanda. Hein, et ben, il faut pas s'en, faut l'assumer. Hein. Il y avait déjà des accointances, mais aujourd'hui, lui, il a réussi à concrétiser vraiment ce que le Rwanda n'espérait même pas de Joseph Kabila. Donc aujourd'hui, il est en train de réagir parce que, enfin, il n'arrive plus à trop avancer dans les plans de Kagame parce que les Congolais sont beaucoup plus vigilants. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument accentuer cette vigilance, cette pression sur lui pour l'empêcher de continuer à brader notre pays, à mettre notre pays en péril. Voilà. Alors, oui, enfin, je termine donc sur Joseph Kabila. Bon, là, je pense que je ne vais pas m'étendre non plus. Hein, j'ai déjà évoqué un certain nombre de choses sur lui. Joseph Kabila, il devrait être derrière les barreaux, mais grâce notamment à Félix Tshisekedi, avec qui il a fait son deal, ben, il est encore là, hein, sous votre nez. Entre-temps, c'est lui qui est en train de financer avec Katumbi, finance
pense, les M23. Il est là. Les cas d'insécurité que vous pouvez constater dans le banc Doundou, etc., j'avais déjà eu à intervenir là-dessus. Joseph Kabila est derrière. Joseph Kabila, c'est comme un serpent qui est là, que nous, les Congolais, nous élevons depuis X temps. Donc voilà, il n'arrête pas de faire des dégâts autour de lui, mais les Congolais ne se sont pas encore suffisamment mobilisés pour neutraliser Joseph Kabila. C'est qui a l'impératif, mais comme vous vous souvenez, Félix Tshisekedi avait dit qu'il ne voulait pas fouiner. Même Moïse Katumbi avait dit qu'il ne voulait pas trop s'en prendre à lui non plus, si jamais par hasard il devait occuper aussi certaines fonctions, etc. Donc voilà, la classe politique à laquelle, enfin, la classe politique qui est là, donc les noms que vous m'avez donnés, vous me dites, est-ce qu'il y en aurait un qui trouverait grâce à mes yeux, ou qui est-ce que je pourrais recommander aux Congolais? Je l'ai dit tout à l'heure, tous ceux qui ont participé au gouvernement, au régime d'occupation, que ce soit sous Kabila et là Félix, etc., tous ceux qui soient au Parlement ou dans le gouvernement, etc., ce ne sont pas des personnes fiables. Ce sont des personnes qui ont accepté de brader notre pays. Ce sont des personnes qui ont accepté de partager le pouvoir avec les occupants. Ce sont des personnes qui ont accepté de légitimer, de donner de la légitimité à ces occupants. Ce ne sont pas des personnes fiables. Les personnes qui acceptent de participer aux processus électoraux en République démocratique du Congo sont pas des personnes suffisamment fiables. Nous avons 100 millions de Congolais. Eh bien, écoutez, il y a 100 millions d'options. Donc voilà, il faut regarder en dehors de tous ceux qui ont participé au régime successif depuis l'AFDL, etc. Parce que ce sont les membres les Congolais qui ont participé à ça sont des Congolais qui sont dont l'engagement met en péril, enfin l'engagement, je ne peux même pas parler d'engagement, ce sont des Congolais qui ont accepté de mettre en péril notre pays d'une des manières les plus dangereuses qui soient. Donc voilà. Je recommande à aucun Congolais de choisir parmi ceux-là. Et encore, quand je parle des Congolais, parce que enfin, dans la liste que vous m'avez donnée là, ce ne sont pas que tous des Congolais, je m'en suis déjà expliqué. Voilà. Ok, voilà. Alors, la situation de la RDC se dégrade dangereusement et quand on regarde votre parcours, Madame Candido Keke, on s'aperçoit que vous avez été de ceux, sous le leadership, bien entendu, de Honoré Mbanda, qui ont posé les bons diagnostics très tôt, puisque effectivement tout le monde reconnaît aujourd'hui que notre pays est occupé. On parle désormais de l'occupation. Mais que disent les résistants et les CNRC en particulier aujourd'hui? Comment faire concrètement pour libérer la RDC. Le peuple congolais est-il prêt? Vous pensez que le peuple congolais a cette psychologie justement de se libérer ou encore de libérer son pays? Concernant effectivement la situation de notre pays et comment en sortir, c'est aujourd'hui évidemment la préoccupation un peu de tout le monde. Mais je vous ai dit tout à l'heure, ben, écoutez, il y a des pistes de solutions qui sont évidentes. On peut aussi procéder par élimination. Hein. Quand on vous dit qu'il n'y a aucun pays au monde qui a été libéré par des élections, pourquoi parler des élections alors que ça fait au moins 3 fois qu'on a essayé, que ça n'a pas marché? Là aujourd'hui, il y en a qui continuent à miser sur les élections, mais puisque vous n'avez pas le contrôle du pays, ceux qui contrôlent ce qui se passe chez nous ont décidé qu'a priori il n'y aurait pas d'élections. Alors ceux qui attendaient des élections pour faire quelque chose, ils se retrouvent là le bec dans l'eau, parce que ben voilà, c'était déjà pas une bonne option. Et évidemment les autres en face, ils vous attendent pas, hein, ils prennent d'autres précautions, etc. Donc voilà, il y a quand même un souci au niveau de la vision que peuvent avoir certains de nos compatriotes. Monsieur Noringband avait une expertise dans son domaine. Et bah, écoutez, après 3 échecs, un quatrième qui se profilait, pourquoi ne pas essayer quelque chose qu'on n'a pas encore essayé jusqu'à présent? Donc nous, de l'ARC, Résistance Congolaise, ou du CNRC, le Conseil National de la Résistance Congolaise, nous sommes restés sur la ligne tracée par M. Honoré Mbanda. Et donc ce que nous mettons sur la table des Congolais comme solution, c'est le soulèvement populaire. Quand on parle de soulèvement populaire, il ne s'agit pas que des civils. Il s'agit et des civils et de notre armée, enfin de nos policiers, etc. Et c'est une synergie entre les Congolais pour en finir avec les occupants, mais il faut que ce soit quelque chose de simultané
pour que ça marche. Ce qu'on a pu voir des fois aujourd'hui, une mobilisation dans une ville, etc., ça a pu, les occupants avec leurs alliés, certains de leurs alliés congolais, ont pu réprimer ça, étouffer ça. Pourquoi? Parce que bah, ils n'étaient pas suffisamment débordés, alors que si on s'y met tous en même temps, bah, ils seront suffisamment débordés pour ne pas arriver à nous maîtriser tous. Et aujourd'hui, malheureusement, on voit qu'à l'est du pays, les Kivusiens, il y en a beaucoup qui ont compris, qui essaient maintenant de se lever, parce que eux, ils sont en première ligne de l'occupation. Et quand nous, on parle ici, on vous parle comme ça, on parle d'occupation, eux, ils savent exactement ce que c'est. Alors, regardez un peu l'attitude qu'ont tous ces jeunes aujourd'hui, que j'encourage et que je félicite pour leur engagement, leur mobilisation en ce moment et tout. Regardez-les, il y en a qui vont même, qui traversent même la frontière, hein, à main nue pour essayer de se battre. Donc voilà ce qui se passe chez nous. Vous me demandiez, oui, est-ce que notre population est prête? Mais oui, regardez, c'est les Kivusiens aujourd'hui. Ils sont prêts. On a les Maïmaï d'un côté qui n'arrêtent pas d'essayer comment dire, de freiner les ennemis, ou en tout cas, ils se battent sur le terrain et tout. Et vous voyez tous ces jeunes de l'autre côté. Mais il n'y a pas que eux. Quand on regarde des Congolais qui sont debout, mais regardez, hein, l'appel qui a été lancé pour que les jeunes Congolais aillent s'enrôler. Ben, écoutez, on vous parle des milliers et des milliers de personnes qui sont venues spontanément, etc., pour constituer l'armée de la République démocratique du Congo. Donc vous voyez bien quand même qu'il y a un état d'esprit chez les Congolais, chez beaucoup de Congolais, qui montre que oui, ils sont déjà prêts pour se lever pour leur pays. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas tellement la population, simplement, ce sont les hommes politiques. Je vous ai montré tout à l'heure que la plupart de tous là, ils sont, comment dire, ils sont entre les mains des occupants. Donc on ne peut rien attendre d'eux. Hein. Ils vont toujours vous dire que non, la population n'est pas prête, que c'est, il y a toujours quelque chose qui ne va pas pour aller au soulèvement, parce qu'en fait, ils n'ont pas le droit d'aller dans ce sens-là. Et aujourd'hui, ceux qui sont en train de miser sur certains d'entre eux pour que demain ils vous donnent des mots d'ordre pour un soulèvement éventuel, mais regardez déjà. Hein, ils sont en train de vous parler d'élections aujourd'hui, alors que nous sommes dans un pays occupé. Ce sont les mêmes personnes qui vous demandent de les suivre, mais attendez, il y a quelque temps, quelqu'un qui vous dit qu'il faut aller aux élections et aujourd'hui reconnaît que le pays est occupé, mais alors attendez, qu'est-ce qu'il va faire dans les élections, puisque on ne contrôle pas. Donc voilà, on a une classe politique qui est déjà suffisamment corrompue, qui est en pleine duplicité, et déjà, cela, ce n'est pas la bonne solution. Il faut absolument, comme je disais tout à l'heure, travailler avec ceux qui ne sont pas impliqués dans ces institutions, ceux qui sont en retrait de ces institutions. Tous ceux qui sont dans ces institutions-là, en général, les Rwandais, ils ont tout un système, Kabila, il a travaillé pas mal là-dessus aussi, pour faire en sorte que la classe politique que vous voyez là, ils aient des éléments contre eux, soit par l'argent, soit qu'ils ont des éléments pour les faire chanter, etc., etc. Donc ces personnes-là ne sont pas libres de faire ce qu'elles doivent faire. Félix Tshisekedi, vous le voyez aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il peut être libre. Non, Félix Tshisekedi n'est pas libre. La manière dont les Rwandais travaillent pour s'assurer les services de tous ceux qui osent, qui ont la malchance et la mauvaise idée d'aller fricoter avec eux. Sachez qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens que vous voyez, qui soient congolais ou pas d'ailleurs, qui sont des gens qui subissent le chantage de Kigali, qui sont sous la menace de Kigali ou des choses comme ça, et qui ne sont pas en réalité libres de leur mouvement. Je vous donne deux exemples que j'ai entendu, dont j'ai entendu parler il n'y a pas longtemps. Quelqu'un comme Bosco Ntaganda, il est à la CPI, mais il ne pourra pas dire grand-chose, à vrai dire, là-bas. Pourquoi? Parce que sa famille est entre les mains de Kigali. Et donc, à travers ça, ils font des pressions sur lui. Il y a un monsieur qui est l'autre, Willy Ngoma, qui est porte-parole du M23. On m'a dit aussi que lui aussi, il a sa famille qui est entre les mains de Kigali. Donc, Kagame les tient, il s'assure que les personnes qui travaillent avec lui ne puissent pas faire autre chose que être à son service. Si vous avez déjà, si vous apprenez que quelqu'un a déjà commencé à travailler avec le Rwanda, etc., attention, parce que ce sont des personnes qui subissent des chantages, hein, qui subissent des menaces et qui vous donneront l'impression d'être libre, mais en réalité, ils ne le sont pas. Donc, nous devons nous défaire de cette classe politique congolaise. Ça, c'est déjà une des méthodes pour qu'on arrive à libérer le pays. Il faut absolument se défaire de eux tous, qu'ils soient au Parlement, au gouvernement, etc. Il faut se défaire de tous et
organiser le soulèvement en rentrant, évidemment, en rejoignant la résistance, en s'organisant, en organisant des cellules là où vous êtes, et en se repérant, en s'identifiant, et en refusant tout ce qui vient du gouvernement d'occupation, à commencer par les élections. Hein. Voilà, moi je pense que là, on a pris déjà beaucoup de temps, je pourrais revenir dessus, mais pour faire court, nous prenons le soulèvement populaire et nous devons nous organiser dans ce sens-là. Oui, la population, elle est prête, ce sont les politiciens qui ne sont pas prêts parce que bah, ils ont la main, ils ont la bouche dans la mangeoire et voilà quoi, et ils sont pris à la gorge par les occupants, ils font rien en réalité pour la République démocratique du Congo. Voilà. Alors, terminons par ces sujets qui, justement, vous préoccupent. Le mois de mars, c'est aussi le mois du décès du président national de la PARECO, Monsieur Honoré Ngbanda Nzambo Kwatumba, cet ancien chef de sécurité ici en République démocratique du Congo, ancien ministre de la Défense, ambassadeur de la RDC, notamment en Israël. Et voilà, vous avez collaboré avec lui. Il nous a quittés il y a 2 ans, le 21 mars 2021. Que reste-t-il de son combat? Que devient la PARECO finalement après Honoré Ngbanda? Oui, effectivement, le président nous a quittés il y a 2 ans bientôt, le 21 mars. Et que reste-t-il de son combat? Je pense que ce qui reste de son combat, c'est le réveil du peuple congolais par rapport à l'occupation. C'est vraiment ça. On n'arrête pas de parler de ce qu'il a dit. Il a laissé pas mal de vidéos, pas mal de supports comme ça. Et on voit bien que régulièrement, il y a des messages de lui qui n'arrêtent pas de circuler. Hein. C'est un absent très présent en fait. Et tout son message, tout le travail qu'il a fait, continue à participer au réveil des Congolais et au combat contre l'occupation et le processus de balkanisation. Donc je pense que c'est vraiment ce qui reste de lui. Donc il y a une part de lui en chacun de nous pratiquement. Et voilà, ça, on continue à se battre pour sauver notre pays. Donc je pense que ce qui reste de lui, c'est peut-être ça aussi. Il a fait sa part pour sauver le pays. Il a en partie sauvé ce pays. Et nous devons faire le reste pour qu'on puisse complètement, enfin, sauver la République démocratique du Congo et ce soit comme nous attelons. Concernant ce que devient la PARECO, bah écoutez, vous savez qu'on avait eu, voilà, il y a eu pas mal de tensions au sein des membres de la PARECO, et donc voilà, il y en a un qui continue toujours un peu à se diviser, voilà quoi. Donc, je pense que ça n'a pas tellement d'intérêt d'en parler là. Le plus important, comme je disais tout à l'heure, par rapport à la question que vous avez posée, c'est ce qui reste du travail immense que le président M. Honoré Ngbanda a abattu. Et je pense que c'est à chacun des Congolais de s'en approprier et de faire ce qu'on a à faire par rapport à notre pays qu'il faut absolument sauver. Hein, on n'en a qu'un seul, donc nous avons tous ce devoir-là de nous battre. Voilà. Voilà, Madame Candido Keke, nous sommes arrivés justement à la fin de cette interview. Alors, quel est votre mot de la fin? Le mot de la fin pour moi, ce serait à l'occasion de cette journée internationale des droits de la femme. Effectivement, on parle des droits de la femme. Effectivement, en République démocratique du Congo, aujourd'hui, comme j'ai rappelé tout à l'heure, le premier droit auquel peuvent aspirer les femmes congolaises, c'est déjà le droit à la vie, puisque quand on voit ce qui se passe à l'Est, on voit que ça nous fait quand même assez défaut. Pour nous, les femmes, pour nos enfants, pour les personnes qui nous sont chères. Et dans un pays en guerre, c'est essentiellement ça, je pense, qui est la priorité. Et c'est pour ça que nous, en tant que résistants, nous insistons pour que la paix soit d'abord restaurée sur tout l'étendue du territoire congolais, notre souveraineté, et ensuite on peut parler d'autres choses, des élections, etc., etc. Tant qu'on n'a pas la paix, ça n'a pas de sens de faire certaines projections, parce que pour réaliser certains projets, il faut d'abord être vivant.
Alors, quand on voit la communauté internationale, l'attitude qu'elle adopte par rapport à la République démocratique du Congo, il faut se faire une raison. La paix chez nous, ce n'est pas une priorité pour eux. On a vu la France qui est venue, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des pays qui viennent là, qui disent vouloir aider la République démocratique du Congo. Mais sachez que ce sont parmi les plus grands fabricants d'armes de la planète. Quelqu'un qui fabrique des armes, ce n'est pas pour les garder dans des placards. C'est pour. Ils doivent les vendre aussi. Donc, voilà, les gens viennent selon leurs intérêts et ils peuvent avoir une étiquette, ils peuvent vous dire on peut vous servir des discours, mais ce qu'il y a derrière, bah, écoutez, ce sont leurs intérêts d'abord. Alors c'est à nous, les Congolais, de nous battre pour nos intérêts d'abord. Et en l'occurrence, pour ce qui est des femmes congolaises, on parle des droits, mais il faut parler aussi surtout des devoirs, surtout en temps de guerre. Quels sont nos devoirs? Et notre devoir aujourd'hui, c'est de mobiliser, de participer à la mobilisation de notre population, d'être en première ligne aussi du combat, à côté de nos hommes, à côté de nos pères, à côté de nos frères. Voilà, nous devons être là parce que nous sommes tous concernés. Il n'y a pas d'église au milieu du village quand le village brûle. Tout le monde, parce que ce feu-là peut consumer tout le monde. Donc, nous devons tous nous impliquer et être les fers de lance de ce combat, d'autant plus que nous sommes les premières victimes aujourd'hui de ce processus de déstabilisation, d'occupation de la République démocratique du Congo, parce que la femme porte la vie, on ne le répétera pas assez. Ceux qui en veulent aujourd'hui aux Congolais veulent détruire d'abord aussi la femme congolaise, parce qu'elle est source de vie et qu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent un Congo sans Congolais. Donc, ne soyons pas naïfs. La vie, elle est ce qu'elle est. Et bah, écoutez, notre premier devoir aujourd'hui, c'est de nous battre pour sauver la République démocratique du Congo. Voilà, nous invitons tous à rejoindre la résistance, à vous documenter. Et surtout, le meilleur garde-fou, je pense, que nous avons aussi pour arriver à faire aboutir ce combat, c'est de nous battre dans la vérité, de rechercher toujours la vérité. Si vous avez des gens, des hommes politiques, etc., qui vous mentent, qui vous disent pas la vérité, qui ont des zones d'ombre, méfiez-vous. En français, on dit souvent, quand c'est flou, ce qui est un loup, et pas un biso balobara, soromoni ndoki. Belela, quand il y a des choses qui ne sont pas claires, c'est qu'il y a quelque chose qui, comme on dit, il y a anguille sous roche, il ne faut pas aller tête baissée. Hein? Il faut clarifier. Voilà. C'est peut-être un des garde-fous que nous avons parce que ceux qui veulent aujourd'hui faire main basse sur la République démocratique du Congo utilisent beaucoup la ruse. Alors c'est à nous d'être vigilants sur tous les points. Voilà, encore une fois, nous vous remercions, Madame Candide Okeke, pour avoir accepté justement de répondre à nos questions. Il était justement question de parler du mois de mars consacré aux droits de la femme, le voyage d'Emmanuel Macron, le président français en République démocratique du Congo, la situation à l'est de la RDC, mais aussi les processus électoraux en République démocratique du Congo. Encore une fois, Madame Candide Okeke, je rappelle que vous êtes militante et activiste, une femme résistante. Depuis Paris, vous avez accepté de répondre aux questions de l'Isolo et à Politique sur DRC Info TV.